6 heures de long. Voûté haut sur la grande chèvre, enchaînant Ephraim et Carrie, le vieux parle, mais son gars contrit l'écoute en se mordant la lèvre. T'es trop vif dans notre dur métier, pas se presser sous l'âge de moitié. Le corps joue à l'aise, n'est jamais raide, quand la cadence tranquille vous aide. Comprends-moi donc, membre, si et chine, les trois ne doivent faire qu'une seule machine. Faut que les deux hommes, mécaniquement, se baissent et remontent comme leur instrument. Je le sais par moi-même, et je l'assure, que deux anciens qui vont en mesure, se mouvant pareil de haut en bas, font de longues besognes et se fatiguent pas. Vois, moi, je suis vieux sieur de long, comme je la pousse nette et d'aplomb, la scie. Ou Luc, toi, c'est le martyr, t'as l'air si rechigné, tu l'attires. Ton œil toujours levé voudrait voir plus vite avancer son trait. En se commençant, faudrait qu'elle arrive, déjà dans le fin bout de la solive. À tout coup, tu craches dans tes mains, quand elle trouve un nœud dans ton chemin. Il faut que tu rejures et que tu te reprennes, si peu qu'elle entre et qu'elle s'engraine. Si du sapin te fait battre les flancs, quand les scies au mou de ce bois blanc devraient glisser sans que ça t'écœure, comme un rasoir dans un pain de beurre. Tu serais bâti pour le métier, t'as des bras de fer, des reins d'acier. Tandis que moi, je n'ai plus que l'écorce. Eh ben, sais-tu ce qui fait ma force? C'est ma patience de volonté. C'est ma scie à moi, l'entêté, pour scier le découragement qui me pince. Tel que l'autre, ben, ça pourrait être cependant. Que, tout comme elle, ayant des dents, quand elle s'en sait, jamais elle grince.